Hey! Ravi de te retrouver hein, pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retourne à Paris, hein, chez Omnis. Enfin, chez Omnis, en tout cas, à la boutique The Watch Gallery, où une multitude de marques s'y trouvent. Et puis, je pense que, vu la mouvance, c'est pas fini. Tu peux y trouver, évidemment, Radial. Hein, les quatre modèles sont exposés sur place. J'ai vu une Agilocère. Hein, je te montre directement les images, là. Un tourbillon du plus bel effet. C'est magnifique. Un tourbillon squelette céramique, là. Il y avait même une en tout saphir. Enfin bref, je te laisserai voir un petit peu tout ce qui s'y trouve. The Watch Gallery, 10 rue Fourcroy, à Paris, à 983 mètres et demi de l'Arc de Triomphe. Là, je t'avais fait des reviews déjà hein, sur plusieurs Omnis, la Aeon, la Sphère, avec l'origine carbone aussi également. Là, j'ai pu voir quelques nouveautés hein, qui préfigurent encore aussi l'avenir un peu de la marque, qui est loin de s'arrêter. On a parlé aussi de l'Era avec son partenariat avec Akram Junior. Là, ils en ont fait une avec cadran météorite, dont une avec un tourbillon, qui est d'ailleurs actuellement en précommande. Là, on va parler des modèles céramiques hein, de la marque. Le modèle origine décliné en plusieurs couleurs. La François, il est clairement inspiré par une mouvance de montres plutôt originale. Hein. On est actuellement dans un marché où soit les montres ont des designs de fou, sont super coûteuses, ou alors des montres plutôt basiques. Lui a voulu puiser dans un design, dans des matériaux ou des complications qu'on voit ailleurs, dans la haute horlogerie, mais là, c'est à prix d'amis. L'accessibilité sans compromis. Là, ce modèle origine, décliné entièrement en céramique, un bracelet compris, représente une sorte de fusion harmonieuse entre le design classique et également les matériaux innovants. Elle se distingue par sa légèreté assez remarquable et sa solidité plutôt étonnante, hein, parce qu'il faut savoir qu'elle est quand même fabriquée entièrement en céramique. On va éviter de la faire tomber sur du carrelage. Hein. Bon, ça s'applique évidemment à toutes les montres. Mais franchement, j'ai été très étonné, une fois passé au poignet, de cette impression de robustesse de l'ensemble. L'esthétique est assez épurée, hein, elle rappellera les grandes marques dont je ne citerai pas le nom. Hein. Tu mettras en commentaire si tu trouves. Et même si on est sur un autre délire que la version carbone, hein, qui elle était vraiment étonnante de légèreté, ici on sent qu'on va pouvoir porter la montre dans un cadre de vie assez dynamique. Pas trop peur de la beugner, tu vois. Au-delà de ce design assez doux, on a des complications plutôt sympas, hein. Bon, comme le guichet date à 6h, c'est plutôt original hein, parce qu'elle est bien intégrée, avec un sous-compteur qui va indiquer par aiguille la date du jour, et en plus sur un joli dessin jour-nuit, puisque la montre indique si t'es en journée ou si t'es la nuit. Petit côté original hein, qui va rappeler les phases de lune, sauf que ce sera un peu plus dynamique, hein, parce que les phases de lune étant un peu plus lentes à changer que le jour et la nuit. Donc c'est un cadran changeant. Tout est fait sur cette montre hein, pour faciliter un peu la lecture. On y retrouvera le logo Omnis seulement sur le cadran. Deux aiguilles heure et minute plutôt fines avec une originalité sur le contrepoids de la trotteuse. Pour le reste, on aura des index bâtons plutôt classiques et une échelle graduée en minutes sur tout le réo. Donc là, on voit que malgré un cadran épuré, il y a quand même pas mal d'informations et des petites choses sympas à observer. Pour le reste, on retrouve une origine plutôt classique. On a toujours ce boîtier sport chic avec bracelet intégré, cette jolie lunette octogonale et également une couronne légèrement striée de bonne taille pour un remontage assez aisé. Donc là, on a affaire finalement à une montre plutôt traditionnelle qui va combiner élégance, durable et puis accessibilité hein, parce qu'on va reparler du prix et puis de la petite code de réduction remontre évidemment. Là c'est vraiment conçu hein, pour une génération qui veut se démarquer. En feras-tu partie? Et malgré tout c'est la première montre de la marque entièrement faite en céramique. Pour animer tout ça, hein, il a été apposé un mouvement mécanique à remontage automatique hein, de la marque chinoise Hangzhou, le calibre 6353A. Donc complication 3 aiguilles, date et indicateur jour-nuit. Et ce mouvement propose une réserve de marche de 48 heures. Plutôt confortable. Et petit plus, hein, ce mouvement est assez joli, il est bien décoré. On va pouvoir l'admirer à l'arrière, au dos de la montre. Ce fond de boîte est ouvert, avec une masse bien décorée, dorée. Voilà, on sent que des efforts ont été faits sur tous les postes. Et en termes de couleurs, on a du bleu, du noir, du blanc, un joli rose qui va très très bien avec mon grain de peau. On a aussi une version un peu gun, un peu grise, mais là c'est JC de la chaîne Moonwatch qui l'avait au moment où j'ai eu les montres entre les mains, donc voilà. Il n'y aura pas tout, désolé, mais déjà t'as de quoi te rincer l'œil. Et
Et comme un insolent, je t'ai même pas parlé des dimensions, hein, parce que quand on voit sur mon poignet, la montre est assez menue, en fait elle fait 40 mm de diamètre, ce qui est plutôt un standard dans l'horlogerie, pour une épaisseur de seulement 11 mm. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La montre est étanche 5 bars et elle est garantie 2 ans dans les ateliers à Paris, hein, directement à The Watch Gallery. C'est eux qui s'occuperont directement du SAV. Alors ces montres seront disponibles soit en finition brillante ou mate. Ici vous avez les visuels seulement des mates. Parce que les brillantes, il n'y en aura plus par la suite. Donc si tu veux en profiter, rends-toi directement à The Watch Gallery. Ou commande directement en cliquant sur le lien en description. Parce que tiens-toi bien, les montres sont proposées à 695€. Mais évidemment, avec le code REMONTRE, hein, bah, ce sera un peu moins cher, hein, puisque tu auras 10% de réduction dessus. Voilà ce que j'avais à dire sur cette céramique. Hein. J'ai hâte de découvrir un petit peu la suite chez Omnis, hein, même si on m'a teasé un petit peu de l'avenir. Très ambitieux. Je t'invite également à aller faire un tour hein, du côté du site The Watch Gallery pour découvrir les nouvelles marques hein, qui arrivent, hein, ça arrive au fur et à mesure. Ils vendent aussi des accessoires, hein, des remontoirs en bois, en cuir, un emplacement, deux emplacements, quatre emplacements, et des étuis à montre en cuir à partir de 29€. Insolent. Bon, en tout cas, bravo encore une fois à François et ses équipes. Nous, on se retrouve encore hein, pour des nouvelles revues sur des marques françaises hein, et une belge aussi, tiens. Ça fait un bail que je dois en parler, mais j'ai pas eu trop le temps. Je sais pas pourquoi. Abonne-toi si c'est pas fait, un pouce vers le haut et on se dit à très vite.